Je me rends. Vous êtes venue seule ? Je suis venue te proposer un marché. Cal contre ma magie. Libère-le et je suis à toi. C'est intéressant. Mais ça enlève de la superbe à ma victoire. Marché conclu. N'êtes-vous pas en train de me jouer un mauvais tour, Votre Altesse ? Cette proposition me paraît un peu trop alléchante. Arrêtons de jouer. Prends mes pouvoirs, qu'on en finisse. De toute façon, j'ai gagné. Ouais, c'est pas très impressionnant, hein. Mais j'ai tes pouvoirs. À ton tour. Libère Cal. À vos ordres. Dalsalan. Destructus. Eve, c'est pas exactement ce que j'attendais par Libercal. Il fallait préciser. Destructus! T'es privée de sortie pour le restant de tes jours, jeune fille! Dalsalan, occupez-vous d'eux. Infedelius. Kev, ce sont tes amis! On les défonce! Je t'en prie. Non, Archibald, ça suffit! Tu m'as toujours traité comme un moins que rien. Je te rends la monnaie de ta pièce. Non! Stop! Stop! Destructus! Sentiment de déjà vu, Votre Altesse. Après tout, c'est vrai. Dalsalan vous a déjà agressé, je vous ai déjà volé vos pouvoirs. Ah, le bon temps que le futur. Où veux-tu en venir, Eve ? Il est possible que je vous ai fait halluciner toute cette rencontre pour gagner votre confiance. Et ça a plutôt bien marché. Après tout, vous m'avez donné cette apparence humaine et j'ai eu vos pouvoirs deux fois. De toute façon, je ne les voulais pas. Sortez de là, mini casse-croûte. Il est temps de passer à table. J'en regrettais. Je t'en prie. Je t'aime. Reprends-toi. Avant ou après que tu m'aies brisé le cœur? Allez. Aka. Désolée. Pour ça aussi. Aka. Par le Destructus! Pulsus! Cal, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi il est pas mort? Tue-nous ou je t'arrache le cœur! Salut Cal! Fabrice? Mais je t'ai tué! Tu me sous-estimes, vieux. Vous m'avez trompé. Le loup-garou n'était pas mort. Selemba, vous êtes avec nous. Arrêtez ça tout de suite. Pousse-toi, 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 pousse-toi!
Ça vous fait rire? T'as pas idée. J'ai vos pouvoirs et bientôt le sang de vos amis sur les mains. Qu'est-ce qui peut vous faire rire? Tu ne contrôles rien, Eve. Vous délirez. Tu t'es vraiment rendu compte de rien? Comment a-t-on pu sauver Fabrice? Comment a-t-on pu comploter dans ton dos? Éclairez-moi. Je me souviens de tout. De rien? Je me souviens de rien. Où est Cal? Tu es, c'est trois semaines dans le coma, il... On a beaucoup de choses à te raconter, mais tu dois d'abord te reposer. Sir Fabrice a raison, je vais aller vous faire à manger. Je vous interdis de hurler ou même de réagir, mais c'est Eve. C'est Eve qui est derrière tout ça. Mais... Fédélem? Fédélem n'est qu'un pantin. Je m'en occupe. Fabrice? Non, non. Non, j'ai dit arrête! C'est la pire idée que vous avez jamais eue! Fabrice, arrête de râler. Je dois te placer la poche de sang. Mais j'ai toujours vos pouvoirs. Je peux vous tuer en un claquement de doigts. Quelque chose ne va pas, Eve. Des problèmes de digestion. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ah, moi? Rien. Mon ami, c'est moi sûr. Je vais me rendre. C'est ça! Facilite-lui la tâche. Passe-toi une épée à travers le corps, c'est pareil. Si je te propose une autre solution, tu m'écouteras. Propose toujours. Lorsque tu reverras Eve, fais en sorte qu'elle te vole tes pouvoirs. Ah non, 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 on va s'arrêter là. Parce qu'elle te volera tes pouvoirs, je me ramènerai parmi eux. Et comme je l'ai déjà fait pour te sauver de ton coma, je lui arracherai toute sa magie pour te la rendre. C'est pas bête. Ça pourrait même marcher. Tu m'as fait croire que t'étais mort! Je te rappelle que t'as essayé de me tuer! Tu sais pas ce que j'ai enduré! Je suis désolé, Fabrice. Purée, tu es cachou tes muscles. Je peux pas vous laisser deux minutes tout seul, hein, Réparus. Désolé. Une des gourmandises s'est enfuie. Occupe-toi de celle-là. Vous ne m'oublierez jamais. Tu vas mourir en prison, seule et abandonnée. Laissez-moi vous donner un petit cadeau de départ dans ce cas-là. Eve! Tara! C'est pas la solution! Tara! Thank you.
Réparus. Ça va, Tara? À ton avis? Tu ne peux pas t'en vouloir. On a stoppé Eve, sauvé Cal et Fabrice. À quel prix? Eve est la seule fautive. Au moins, là où elle est, elle fera plus de mal. Le mal est déjà fait. Fabrice. Désolé d'avoir tenté de te tuer. C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est la faute de l'autre Kin, et seulement elle. Si elle ose refaire surface, on la ratatinera comme on l'a toujours fait. Faut pas t'en vouloir pour ça. Après tout, sauver les mondes, c'est devenu notre passion. C'est pas faux. Milady, j'ai beaucoup entendu parler de vous et de vos talents. À qui ai-je l'honneur? Quelqu'un qui vous admire et a les mêmes desseins que vous. Qui êtes-vous? Mes ennemis m'appellent Magister. Je pense que vous allez m'aider à accomplir de grandes choses.